Kung-ho. Votre vieille voiture a beaucoup de valeur. Alors venez profiter de 2 200 € de reprise pour l'achat d'une 1007. Découvrez M3 Power Nitro, le premier rasoir à pile de Gillette. M3 Power et son nouveau design Nitro. Activez-le. Des micropulsations sont transmises aux lames brevetées Power Glide. Vous allez ressentir un confort incroyable. Découvrez le pouvoir du meilleur des rasages Gillette. M3 Power Nitro de Gillette. Championnat de France de hand, c'est parti. Troisième journée, Dunkerque-Paris. L'an dernier, les Parisiens s'étaient imposés d'un point lors de la dernière journée. Les coéquipiers de Patrick Casal doivent une revanche à leur public. Un duel de prétendants à vivre avec Daniel Costantini. Championnat de France de D1, troisième journée, Dunkerque-Paris. Mercredi à 18h45, live et en exclusivité sur Eurosport. BDO International, partenaire mondial du World Hockey. World Hockey, par la Fédération Internationale de Hockey. Allemagne-Australie, c'est l'affiche de cette 11e Coupe du Monde. De cette finale de la 11e Coupe du Monde de hockey sur gazon qui se dispute ici au Warsteiner Hockey Park de Mönchengladbach. Une finale qui oppose donc la première équipe mondiale et championne olympique en titre aux champions du monde sortant et pays hôte, l'Allemagne. Et c'est le fait de jouer à domicile, Guillaume, qui donne en quelque sorte une force supplémentaire à cette équipe d'Allemagne qui sur le papier ne fait pas figure de favorite. C'est vrai que l'équipe allemande n'est pas favorite sur ce match, mais c'est une équipe qui réalise quand même une superbe Coupe du Monde. À domicile, toujours invaincu, une équipe qui a beaucoup d'expérience et qui vient en place défensivement, bien réaliste en attaque avec son duo vedette Christopher Zeller et Matthias Vitaus. Donc un match très intéressant avec une équipe aussi australienne qui est en pleine bourre, qui malgré son premier match et une défaite face à l'Espagne 3-1, est en pleine bourre, donc joue très bien. Et c'est une équipe qui a fait un festival offensif avec une victoire 7-1 contre la Nouvelle-Zélande. Avec des joueurs très athlétiques et bien en place sur le plan offensif. Allemagne-Australie, c'est la même affiche qu'il y a 4 ans à Kuala Lumpur. Cette année-là, c'est l'Allemagne qui s'était imposée sur le score de 2-1. Il faut d'ailleurs noter que l'Australie n'a jamais gagné une grande finale de compétition internationale face à l'Allemagne, que ce soit lors des Jeux Olympiques en 1992, le Trophée des Champions en 92, 95 et 2001. Et bien à chaque fois que l'Australie s'est trouvée face à l'Allemagne en finale, elle a dû s'incliner. Donc souhaitons que cette équipe australienne parviendra à faire mentir ses statistiques à l'occasion de cette finale de Coupe du Monde 2006. En tout cas, elle a tout à fait les moyens, l'équipe d'Australie, de venir à bout de cette formation allemande qui possède de l'expérience, mais qui est quand même assez jeune, puisqu'il faut noter que l'effectif a été assez amplement renouvelé depuis la dernière Coupe du Monde, Guillaume. Oui, c'est vrai que l'équipe allemande a gardé, pour l'entraîneur Bernard Peters, a gardé une défense assez expérimentée avec le pilier de cette défense qui est Philippe Kroneux, qui est âgé de 29 ans et qui a 332 sélections. Et après, il a pris quelques jeunes joueurs en milieu de terrain et devant pour porter un petit peu plus de punch à cette équipe. Même l'attaquant vedette, Christopher Zeller, n'est âgé que de 21 ans. Christopher Zeller qui d'ailleurs en marge de cette Coupe du Monde a été élu en présence du président du CIO, Jack Rogge, meilleur jeune joueur de l'année. Il a inscrit pour l'instant 6 buts dans la compétition. Notons que le joueur de l'année, eh bien, ça a été une nouvelle fois le néerlandais Toyn Denoyer, qui entre d'ailleurs à cette occasion dans le livre des records puisqu'il est le premier joueur sacré à 3 reprises joueur de l'année, 3 reprises en 4 ans. Seul Jamie Dwyer était parvenu en 2004 à le priver de cette couronne.
Alors c'est une des questions d'ailleurs de cette finale. Guillaume, est-ce que Jamie Dwyer sera sur le terrain? Jamie Dwyer qui s'était blessé lors des dernières minutes de la demi-finale face à la Corée. On espère pour cette équipe australienne que Jamie Dwyer va être rétabli et va pouvoir jouer cette finale, puisque c'est vraiment l'attaquant vedette de cette équipe lors de cette Coupe du Monde. Il a réalisé déjà 3 buts, 3 actions, et c'est en partie grâce à lui que cette équipe a gagné la demi-finale. En tout cas, c'est parti très vite dans une ambiance de folie. Alors que moins de 2 minutes se sont écoulées, on a vraiment l'impression d'être rentré de plein pied dans ce match. Les équipes mettent beaucoup de rythme, essayent d'imposer leur façon de jouer. Et je pense que Melar Peters, pour l'Allemagne, va garder le même schéma tactique avec une grosse défense. Va demander à ses joueurs de bien faire circuler la balle derrière et d'essayer de trouver les attaquants pour essayer de trouver dans la surface australienne des petits corners. On rappelle que les Allemands ont un spécialiste en faveur de Christopher Zeller, qui a déjà réalisé beaucoup de buts sur petits corners. Une occasion allemande ici, les Allemands qui pénètrent dans le cercle australien avec beaucoup de facilité. Là, des Australiens qui se sont laissés un peu déborder. Attention de ne pas laisser trop d'occasion à cette équipe d'Allemagne extrêmement réaliste. Qui a su, dans cette Coupe du Monde, vous le rappeliez Guillaume, c'est une des rares équipes invaincues. Mais elle a su remporter des matchs où elle avait été dominée, un peu à l'image de la Corée d'ailleurs. Une équipe qui a beaucoup d'expérience et qui a beaucoup d'efficacité dans le cercle adverse. Et le premier but en faveur de l'Australie. Non, l'arbitre a sifflé une faute, donc on va le revoir au ralenti. C'est vrai que ça en est fallu de très peu. Ça a été très vite. Alors on voit cette action. Voilà, qui a un beau débordement et une balle qui a touché le pied de l'attaquant australien. Oui, qui a buté sur le tibia du joueur australien. Un avertissement sans frais, en tout cas pour cette équipe d'Allemagne. Il est probable que l'entraîneur australien Barry Dancer attendra de voir comment les choses évoluent sur le terrain et au tableau d'affichage pour éventuellement faire rentrer Jamie Dwyer en fin de rencontre s'il est en mesure de jouer quelques minutes de la rencontre. Oui, s'il peut courir, mais j'ai peur pour lui que ce soit une blessure assez grave, puisque c'est une blessure qui est arrivée en fin de match et il s'est vraiment tenu le derrière de la cuisse. Donc je pense que ça va être un claquage ou une grosse élongation. Et ça risque de le priver de cette finale. L'équipe d'Australie qui n'a décidément pas beaucoup de chance, puisque un de ses autres buteurs, Grant Schubert, est déjà absent du tournoi, puisqu'il s'était lui blessé au genou quelques jours avant le début de la compétition. Les joueurs australiens ont beaucoup de réserves en attaque. Il y a aussi des grands buteurs avec Troy Elder qui a déjà mis 3 petits corners et Michael Maikan qui a mis 3 buts sur action. Alors 5 minutes de jeu et toujours 0-0, aucun petit corner sifflé en faveur de l'une ou l'autre équipe. Oui, avec deux équipes qui pour le moment s'observent. L'accélération de Mathias Wittaus.
un peu moins de 15 minutes de jeu dans cette première période et toujours 0 partout entre l'Australie et l'Allemagne. Oui, avec un changement tactique des Australiens qui au début de match ont plutôt attendu cette équipe allemande et qui pour l'instant exerce un pressing tout terrain sur le porteur de balle pour essayer d'empêcher la défense allemande de se dégager. Attention, cette action allemande avec une grosse occasion pour Vitaos et un très bel arrêt du gardien de but australien Molam. Les Allemands qui parviennent à prendre de vitesse cette sélection australienne dont la défense a été prise en défaut déjà à plusieurs reprises depuis le début de la rencontre. Les Allemands qui jouent avec beaucoup de joueurs offensifs, qui jouent avec des joueurs derrière la défense australienne et pour le moment ça les perturbe beaucoup. Hein, on voit la superbe sortie de Molam qui est bien allé contrer Vitaos. C'est très bien joué de la part des Australiens. Ils ressortent la balle pour essayer de contourner la défense allemande. Bevan George, un des joueurs clés de cette équipe australienne. Qui s'est un peu ralenti. Permettre aux équipes de retrouver un peu de souffle. C'est vrai que les Allemands ne vont pas pouvoir tenir ce rythme-là toute la partie. Donc, il va falloir qu'ils fassent tourner un petit peu la balle derrière pour essayer de souffler un petit peu pour partir plus rapidement. Oui, c'est bien fait. Mathias Vitaos sonne la charge et qui tentait de trouver Moritz Fürste. Mais ça n'est pas fini pour les Allemands dans le cercle et qui marque l'ouverture du score en faveur de l'équipe d'Allemagne. Un but marqué par Christopher Zeller, le buteur vedette de cette sélection allemande. Avec une grosse erreur de défense australienne, avec une mauvaise relance. Et une belle pénétration de Christopher Zeller qui a éliminé trois Australiens et qui a fait un exploit personnel en tourpant le gardien de but Molam. Le joueur allemand de l'année 2005 inscrit là son 7e but dans la compétition. Ouais, un exploit individuel tout remarquable. Seul, ouais, tout seul au milieu de 5 Australiens et il marque le but tout seul. Un superbe but. Et attention à la réaction australienne. Il a tenté de porter la contre-attaque immédiatement, profiter un peu de quelques secondes d'euphorie voilà, après le but allemand. Et les Australiens qui répliquent tout de suite en trouvant un petit corner. Ils vont essayer d'égaliser, de revenir au score.
Premier petit corner de cette rencontre en faveur de l'équipe d'Australie, juste après l'ouverture du score. Là, il a bien cherché et bien trouvé ce petit corner. Alors attention aux Australiens qui sont des spécialistes de la combinaison. Alors on rappelle peut-être pour les non-initiés, Guillaume, comment fonctionne ce petit corner qui est une phase de jeu vraiment particulière. Et donc la balle est donnée, bloquée à l'extérieur de la surface et pushée. Si la balle est pushée, elle peut être pushée n'importe où dans le but. Par contre, si la balle est shootée, elle doit atterrir dans la planche du gardien allemand. Et ça rentre ! Et l'égalisation pour l'équipe d'Australie avec une réaction extrêmement rapide pour cette équipe. Et le but marqué par Mark Knowles, le numéro 9 australien, moins de 2 minutes après l'ouverture du score par l'Allemagne. Ah, donc les Australiens ont choisi de shooter, donc un gros shoot avec une balle déviée juste devant le gardien de but, Bubbles. Très bien joué de la part de l'équipe d'Australie. Je pense que l'entraîneur Dancer a dû voir qu'il y avait un petit espace sur le côté droit de la défense allemande à la vidéo. Et ça, c'est un corner qui est travaillé à l'entraînement. En tout cas, les Allemands n'ont pas pu profiter bien longtemps de l'avantage de mener au score. Deux buts coup sur coup qui remettent les équipes à égalité un partout. Oui, c'est encore très bien joué de la part des Australiens et de Michael McCann qui fait un énorme pressing sur la défense allemande. On a pu voir sur le dégagement allemand qu'il a empêché les Allemands de ressortir, et ce qui a engendré une mauvaise relance allemande. Et McCann qui récupère la balle, qui trouve un petit corner. Et on voit qu'il réclamait même le pénalty en disant que c'était une faute volontaire dans la surface. Mais l'arbitre était bien placé. Michael McCann qui a déjà marqué 4 buts dans cette Coupe du Monde. Et qui est donc à l'origine de ce petit corner. Et la balle est déviée. Ouais, une superbe parade de Bubbles qui est vraiment le gardien du tournoi. Gardien que les Français connaissent assez bien, Guillaume. Oui, c'est vrai, les joueurs français ont eu la chance de le voir évoluer dans le championnat. Il a joué au Stade français pendant une saison. Il y a aussi un autre joueur qui a joué dans le championnat français, c'est Charowski, qui a joué au Racing Club de France. Donc ça permet aux jeunes joueurs français de prendre de l'expérience. Alors Aaron Hopkins pour jouer ce coup franc, et à nouveau une belle parade de Bubbles. Qui cette fois a écarté la balle du pied. Et les Australiens qui sont en train de mettre beaucoup de pression sur la défense allemande. Là, ils sont bien revenus dans la partie. On a l'impression que leur égalisation leur a donné des ailes. Et ils occupent la zone. Allez, les Allemands parviennent à se dégager. On a quart d'heure de jeu encore dans cette première période. Et un partout entre l'Allemagne et l'Australie dans cette finale de la Coupe du Monde de hockey sur gazon. Et une nouvelle chance australienne.
peut circuler la balle derrière pour les Allemands. Oui, des Australiens qui ont reculé d'un cran, qui font maintenant une défense de zone derrière les 50 mètres. On peut voir qu'ils mixent beaucoup les défenses. Ils font un pressing pendant 5-10 minutes, après ils reculent. C'est très bien joué de la part de l'entraîneur Dancer. Michael McCann. Il y a encore une petite erreur allemande pour un pied. Les Allemands qui mettent une grosse pression sur l'arbitre Ehlers en lui réclamant une balle dangereuse, une balle levée. Mais l'arbitre était bien placé, il siffle un petit corner pour l'équipe australienne. L'équipe australienne qui, rappelons-le, a marqué son but sur petit corner et qui a donc ici une deuxième occasion. L'occasion de doubler la marque. Le donneur est Nathan Eglinton. Oui, et ça rentre. Un petit corner très propre. Inscrit par Matthew Naylor, le numéro 20 de cette équipe australienne. Oui, Australie oui. Qui reprend donc l'avantage et qui mène 2 buts à 1 alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer dans cette première période. Ouais, Bubos n'a rien pu faire avec un superbe push. Vous avez vu que Bubos a été gêné par la première vague. Il y a un push très rapide. On rappelle que les balles vont entre 120 et 130 km/h. Donc il faut que le gardien soit très vigilant. Quel match! Une finale qui tient pour l'instant totalement ses promesses. Oui, une finale qui est complètement lancée. Donc l'Australie qui mène 2-1. Donc les Allemands vont être obligés de faire le jeu et les Australiens vont pouvoir contrer cette équipe allemande. Voilà, puissance qui a été déployée ici par Matthew Naylor pour envoyer cette balle au fond des filets d'Ulrich Bubols. Car comme son nom l'indique, Guillaume, dans le push, eh bien on ne frappe pas directement la balle, on la pousse. Hein. Oui, la balle est poussée. Oui. Qui obtiennent un coup franc en tête de zone. Donc ils vont faire tourner la balle et essayer de trouver une déviation dans la surface. Ouais, encore une très bonne défense de Krohn. Krohn qui est vraiment le pilier de cette défense allemande. Bien joué de la part de Molam qui avec beaucoup d'expérience a stoppé la balle et a relancé. Swarovski qui ne peut rien faire entouré par trois Australiens. Ah oui, la moitié de l'équipe australienne était sur lui. Oui, les Australiens qui sont très bien en place défensivement et on peut voir que ce sont vraiment des joueurs très athlétiques
qui aime bien aussi jouer le contre. C'est un jeu qui est vraiment très impressionnant et très agréable à regarder. Allez, ça repart très très vite. C'est de déborder cette défense allemande. Mais là, il y avait un peu de mal à contrôler la balle, Troy Elder. Balle qui a touché le pied d'un joueur australien. Et les Australiens qui repartent. Un match qui devient un petit peu fou là, une balle qui va d'un but à l'autre. Un milieu de terrain qui est sauté. Un peu plus de 5 minutes de jeu dans cette première période et toujours 2-1 en faveur de l'équipe d'Australie face à l'Allemagne. Avec une équipe d'Allemagne beaucoup plus entreprenante qu'elle ne l'avait été sur la plupart de ces matchs de poule, Guillaume, l'équipe qui montre en tout cas qu'elle est capable de s'adapter à son adversaire et aux circonstances. Ouais, c'est vrai que l'équipe allemande, maintenant, elle n'a plus le choix, elle va être obligée de jouer. Donc en plus, elle est menée au score, donc elle va être obligée de mettre beaucoup de rythme sur les coups francs et de jouer avec un attaquant supplémentaire pour essayer de surprendre cette équipe australienne. On peut voir l'équipe australienne bien en place. Encore une grosse pression de l'équipe allemande et du public qui réclamait un pied australien. Mais l'arbitre, pour le moment, ne se laisse pas influencer. Scoop en avant pour Russell Ford ici qui tente un débordement sur la gauche avec Krohn toujours bien en place qui fait encore une très très bonne défense. C'est un défenseur qui est très très fort en 1 contre 1. Lui qui règne véritablement sur cette défense allemande avec beaucoup de vigueur et d'énergie. Oui, Krohn qui a 332 sélections et à mon avis ça devrait être sa dernière Coupe du Monde. Donc je pense qu'il va tout faire pour essayer de la remporter. Attention à Christopher Zeller. Et voilà, c'est ce qu'il cherchait. Voilà, un coup franc joué très rapidement.
Donc la défense australienne n'a pas pu se mettre en place. Il y a une petite erreur de blocage qui permet à l'équipe allemande d'obtenir un petit corner. Il n'a même pas cherché à tirer au but. Non, il n'y avait même pas d'Allemand derrière, il a cherché simplement le corner. Alors un petit corner pour tenter de revenir au score juste avant de rentrer au vestiaire pour cette équipe d'Allemagne. Les Allemands qui ont vraiment un spécialiste sur petit corner. Je pense pas qu'ils cherchent à faire une combinaison. Ils vont laisser Christopher Zeller pousser directement. Il a déjà réalisé et marqué 4 petits corners depuis le début de cette Coupe du Monde. Et ça ne rentre pas cette fois-ci. Très bonne intervention du gardien Stephen Molham qui a écarté le danger de la main, du gant plutôt. Christopher Zeller qui avait fait un superbe push, il avait visé la lucarne gauche du but australien. Mais le gardien de but Molham était bien présent sur sa ligne. Avec une très bonne défense australienne. On a l'impression à vitesse réelle que c'était l'Australien qui avait sorti la balle. Une bonne récupération ici pour Carlos Nevado. Et Christopher Zeller toujours présent. Et encore une situation très chaude devant le but australien. Christopher Zeller qui a encore fait un exploit technique, éliminant 3 joueurs australiens. Et là, il s'en est fallu vraiment de très peu que l'Allemagne ne parvienne à décrocher l'égalisation. Oui, ça a joué en une touche de balle. Malheureusement pour les Allemands, l'attaquant n'a pas pu reprendre la balle devant le gardien de but australien. Et c'est fini, donc... dans cette première mi-temps, une première mi-temps qui se conclut à l'avantage de l'Australie qui mène 2 buts à 1 après 35 minutes de jeu dans cette finale de la Coupe du Monde de hockey sur gazon ici à Mönchengladbach. Une première mi-temps menée tambour battant. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième période de cette rencontre. Sur gazon féminin. Bientôt, live sur Eurosport et Eurosport 2. Eh hey, dis donc, t'es au courant que selon le baromètre FAI de l'internaute.com, ah ouais, elle a été désignée pour la 3e fois le fournisseur d'accès préféré des internautes. Sans compter que selon le dossier comparatif de l'ordinateur individuel de juin 2006, ils sont aussi numéro 1 du téléphone par Internet. Mais pourquoi vous hurlez comme ça? Je crie pas là! Il s'étonne encore du succès des services d'AOL. Eh ben, ils n'ont encore rien vu. Maintenant, il y a la télévision numérique, l'internet haut débit et le téléphone illimité pour seulement 29,90€ par mois. Appelez le 3252. Oh! Comment tu vas, toi? TGV, prenez le temps d'aller vite. Alors c'est reparti pour 35 minutes de jeu, à moins et qu'il ne faille en passer par des prolongations pour trouver un vainqueur dans cette Coupe du Monde 2006. Mais pour l'instant, c'est l'Australie
qui a l'avantage. L'Australie qui a su imprimer un rythme extrêmement élevé à la rencontre. Oui, l'Australie qui a alterné le pressing tout terrain et une défense de zone un petit peu plus basse, qui a beaucoup gêné cette équipe allemande depuis le début de ce match. Alors, les Allemands qui prennent position dans les 22 mètres australiens dans ce début de deuxième période. Tibor Weissenborn qui a essayé de trouver un de ses coéquipiers dans le cercle. Des joueurs les plus expérimentés de cette sélection allemande qui a remporté sous le maillot de la Mannschaft et bien la Coupe d'Europe des Nations en 1999 déjà et en 2003 ensuite, la Coupe du Monde 2002 et le bronze olympique à Athènes en 2004, un titre olympique qui était revenu justement à cette équipe australienne. Rythme qui semble s'être un peu ralenti, Guillaume, dans ce début de deuxième période. Le public même paraît un peu essoufflé. Oui. Mais attention ! Oui ! Un but australien, un de plus. C'est peut-être le break qu'est en train de réaliser ici l'équipe d'Australie qui mène à présent 3 buts à 1. Grâce à ce but de Troy Elder, quatrième but de Troy Elder, le numéro 5 australien dans cette Coupe du Monde. Troy Elder était plutôt le spécialiste de petit corner puisqu'il avait marqué 3 buts sur petit corner, qui marque cette fois-ci sur action de jeu. C'est lui qui était à l'origine de l'action, c'est lui qui avait débordé sur le côté gauche. Bevan George n'était pas parvenu à rentrer et c'est lui qui récupère la balle. Oui, avec beaucoup de réussite, ouais. Beaucoup de réussite, une balle qui est passée au-dessus des guêtres de Bubbles. Et avec beaucoup d'opportunistes, Tony Elder était présent derrière le gardien de but et a pu la pousser. Donc là, ça va devenir compliqué pour l'équipe allemande qui va être obligée de faire le jeu. Et ça va faire aussi le jeu de l'équipe australienne qui va pouvoir jouer les contres avec beaucoup de vitesse. Ouais, car être mené d'un but, c'est une chose, Guillaume, mais de deux buts, ça commence à faire beaucoup, même en hockey sur gazon où les retournements de situation peuvent être très rapides. Ouais, c'est vrai qu'il faut se méfier parce que les Allemands ont quand même une arme essentielle avec Christopher Zeller qui est un spécialiste des petits corners. Donc là, ils vont essayer de revenir au score en essayant de trouver des petites fautes dans la surface. Mais ça risque d'être quand même compliqué pour cette équipe. Un petit arrêt de jeu demandé par le gardien de but Bubbles qui a un problème avec sa lanière de guêtre. Alors qu'on revoit cette action qui permet à l'Australie d'inscrire son troisième but. Une action menée de main de maître par Troy Elder. Allez, encore 30 minutes de jeu, tout est encore possible pour cette équipe d'Allemagne. Il va tenter de décrocher
une deuxième Coupe du Monde consécutive. Ouais, un tir en revers très dangereux ici. Ouais, avec une mauvaise relance au départ de Mollam qui relance dans l'axe. Et heureusement pour l'équipe australienne, il s'est bien rattrapé sur le deuxième shoot. France australienne décidée à ne rien laisser passer et qui là s'est ruée sur Carlos Nevado. Les Australiens maintenant qui vont multiplier les scoops pour essayer de trouver de longues balles dans la défense allemande et pouvoir se dégager, pour permettre de se dégager. Et ça repart côté allemand avec Björn Mörling. Bernard Peters, l'entraîneur allemand, qui va faire rentrer Oliver Henschel. Rappelons que les changements sont illimités en hockey sur gazon. Les entraîneurs, Guillaume, d'ailleurs, font tourner tout l'effectif durant la rencontre. Bon, il y a quelques joueurs qui ne jouent pas, mais en général, ils essayent, oui, de faire tourner au maximum pour pouvoir faire souffler certaines pièces maîtresses. C'est un sport qui est très physique et qui demande beaucoup de conditions physiques. Même pour les meilleurs, il est très difficile de tenir un rythme soutenu pendant 70 minutes. C'est bien fait cette montée australienne. Et Philippe Krohn, une nouvelle fois, ouais, a réussi à stopper l'offensive. Ouais, Philippe Krohn qui discute un petit peu trop avec l'arbitre. L'arbitre lui a dit de se calmer un petit peu. On peut voir une équipe australienne qui est vraiment bien en place. Les Allemands vont devoir faire attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. Christopher Zeller qui se dépense vraiment sans compter. Christopher Zeller qui a vraiment un marquage à la culotte et un marquage individuel sur lui dans la surface. Les joueurs australiens savent que c'est le danger. Un joueur capable sur un exploit personnel de faire la différence à tout moment. Toutes les équipes n'ont pas la chance d'avoir un joueur du calibre de Christopher Zeller. L'Australie en a un, mais malheureusement, il n'est pas sur le terrain. Il s'agit bien sûr de Jamie Dwyer.
joueur de l'année 2004, blessé lors de la demi-finale. Il y avait un petit carton vert pour le joueur australien. Ça fait plusieurs fois que l'arbitre les avertit de laisser la balle à chaque fois qu'il y a un coup franc allemand. Et pour le moment, les Australiens repoussent toutes les balles. Carton vert qui ne porte pas conséquence. Non, c'est juste un avertissement. On rappelle les cartons au caisse au gazon. Donc le carton vert est juste un avertissement. Le carton jaune, une exclusion temporaire à l'estimation de l'arbitre. Et le carton rouge, une exclusion définitive. Les Allemands qui obtiennent un nouveau coup franc en tête de zone, donc ils vont essayer de trouver une déviation dans la surface. Oui, très bon blocage australien. Une relance loin devant, un peu trop loin peut-être. Récupéré par Philippe Zeller. Et le but allemand avec une superbe déviation. Un but inscrit par Maurice Fürste. Qui permet à l'Allemagne de revenir à 3 buts à 2. Fürste qui est un peu le renard des surfaces. Il est toujours présent soit au premier poteau, soit au deuxième poteau. Et là, il a pu dévier la balle juste devant le gardien de but australien. Troisième but du milieu de terrain allemand, du bout de la crosse, qui parvient à tromper Stephen Molan. Permet à l'Allemagne de reprendre espoir. Les Allemands qui ont bien repris l'initiative. Avec Zarowski qui était en situation favorable dans la surface, qui n'a pas pu trouver le petit corner avec une grosse défense australienne. L'Allemagne qui reprend le contrôle de la balle après une action dangereuse côté australien. Mais on sent les Australiens beaucoup moins à l'aise. Ouais, c'est vrai qu'à 3-1, les Australiens ne savaient pas trop quoi faire. Continuer à attaquer pour essayer de prendre le large ou essayer de préserver ce score. Ils ont un petit peu reculé sur le terrain et sont pris ce but. Donc maintenant, tout reste à faire et faire attention de ne pas trop reculer. On joue depuis un peu moins d'un quart d'heure dans cette deuxième période.
et l'Australie mène toujours au score 3 buts à 2 après avoir mené 3 buts à 1. Mais l'Allemagne ne se résigne pas. Et on peut même dire que c'est elle qui fait le jeu dans ce début de deuxième période. À l'image de cette action là où on voit la défense australienne complètement débordée et l'Allemagne qui en profite pour obtenir l'égalisation. 3 buts partout. On le sentait depuis quelques minutes, Guillaume, les Australiens n'y étaient plus. Oui, avec un but de Merling avec beaucoup de réussite. Il a voulu shooter en revers, il a un petit peu topé la balle. Une balle qui a lobé le gardien de but australien Molam. Et donc là, le match est relancé, tout reste à refaire pour l'équipe australienne. Pierre Merling qui est un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe d'Allemagne avec plus de 250 sélections, presque autant que Philipp Krohn. Ah oui, il est dans une position vraiment acrobatique. Emmerling parvient à inscrire ce troisième but. Oui, il s'est bien arraché là, en plongeant et en shootant en revers. Et il a quand même eu beaucoup de réussite. Et là, le Warsteiner Hockey Park s'enflamme. Ouais, les Australiens qui vont devoir revenir dans le match parce que les Allemands sont sur une bonne dynamique là. Ils sont en train de d'asphyxier cette équipe australienne. Travis Brooks, un centre. William de Jong. Alors qu'on revoit ce troisième but allemand de Brian Emmerling qui parvient à lober Stephen Molan. Et attention à cette montée de Carlos Nevado qui est pour l'instant tout seul et qui tente sa chance. Il a voulu tenter un shoot en revers, mais il n'a pas touché la balle, donc l'arbitre a estimé que c'était un jeu dangereux et a donné un dégagement à cette équipe australienne. Travis Brooks qui donne en retrait à Bevan George. Russell Ford qui va tenter de passer cette défense allemande. Bernard Peters, l'entraîneur allemand. On a pu voir sur l'image qu'il prenait des informations de son coach adjoint qui va être situé en hauteur et qui permet de donner des conseils sur la tactique à suivre. Et sur le placement des joueurs sur le terrain. Tactique qui évolue évidemment constamment en fonction de la situation et de l'adversaire. Ça, au cours d'un même match, on peut voir des phases de jeu assez différentes. Ouais, c'est vrai que les équipes soient attendre derrière les 50 mètres et ils décident de jouer le contre, soit ils font un pressing tout terrain sur le porteur de balle. Donc en fait, en général, les entraîneurs mixent un peu les deux. Et le fait de pouvoir changer de joueur assez régulièrement, les entraîneurs peuvent changer de tactique aussi au cours des matchs, en mettant plus ou moins d'attaquants ou de défenseurs. Alors un jeu qui commence à devenir un peu décousu
Christopher Zeller, toujours lui, et il marque. 4-3 en faveur de l'Allemagne. Incroyable remontée de cette équipe d'Allemagne qui était menée 3-1 et qui mène à présent au score. Les Allemands qui sont poussés par leur public, et on vient de voir encore un exploit personnel de Christopher Zeller qui élimine 3 Australiens et qui marque un but pratiquement tout seul. 8e but dans cette Coupe du Monde pour Christopher Zeller. Vraiment l'arme fatale de cette équipe d'Allemagne. Il va très vite avec un débordement à une main sur le revers. Et il dribble en 1 contre 1 Molam qui n'a rien pu faire. Scénario incroyable qui voit à présent l'Australie mener au score par cette équipe d'Allemagne. Alors qu'elle paraissait tenir ce match en main au moment d'aborder cette deuxième période. Ouais, c'est vrai, alors que les Allemands n'ont pas mis beaucoup de buts depuis le début de cette Coupe du Monde. Ils n'ont mis que 12 buts et là ils sont en train de réaliser un exploit, un festival offensif. On revoit ce but absolument superbe de Christopher Zeller. Attention, cette fois c'est l'Australie qui vient porter le danger. Oui, avec Michael McCann qui a vraiment une occasion d'égaliser. Mais il y a une très belle sortie de Bubbles qui a bien bouché son angle. On n'est certainement pas au bout de nos surprises dans cette rencontre. Il reste un peu moins d'un quart d'heure à jouer. Et on sent que tout peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, ce sont les Allemands qui ont l'avantage. Et on sait que l'équipe d'Australie a évidemment les ressources pour reprendre les choses en main. Mais c'est vrai qu'on a senti un petit moment de flottement, 10 minutes, un quart d'heure de flottement dans cette équipe australienne qui lui ont été fatales. Et peut-être que les joueurs australiens inconsciemment ont pensé après leur break et après avoir mené 3-1 au score, avoir fait la différence. Donc ils ont eu tendance à reculer un petit peu et les joueurs allemands ont fait un gros pressing sur la défense australienne et ils sont revenus petit à petit au score. Et les joueurs australiens n'ont pas pu repartir et essayer d'inquiéter cette équipe allemande. Là, on peut faire confiance à l'équipe d'Allemagne pour ne pas connaître pareil relâchement. C'est justement typiquement la force de cette formation allemande. Oui, c'est vrai que les Allemands sont bien en place défensivement. Ils ont une défense d'expérience. Et ça va être très très dur pour l'équipe australienne de trouver les opportunités en attaque. Ils ont surtout un mental qui n'est pas du tout friable. Christopher Zeller, encore lui, mais qui n'est pas parvenu à passer cette fois. Il y avait 3 Australiens là pour... Ouais, c'était pas évident, même si Christopher Zeller réclamait un petit corner, l'arbitre était vraiment bien placé. Carlos Nevado, du revers.
un scoop, voyant qu'ils avaient un peu de mal à s'en sortir là, les Allemands. Oh, légèrement bousculé. Les Allemands qui prennent leur temps là pour bien se passer dans la surface australienne. Emmerling et Weissenborn sur le côté droit, pardon. Est sorti. Les Allemands qui essaient de garder la balle pour que le temps passe, mais je pense qu'il faut qu'ils continuent à jouer au hockey comme ils ont joué depuis le début de ce match, sinon ça risque de leur jouer un tour. Il reste quand même 10 minutes, ce qui est pas mal. Il ne leur a pas fallu beaucoup plus de 10 minutes pour revenir au score. Un match à rebondissement. De 10 minutes à jouer et un avantage toujours pour l'équipe d'Allemagne qui mène 4-3 après avoir été mené 3-1 en début de deuxième période. Troisième but australien qui est peut-être arrivé un peu trop tôt dans la deuxième période, Guillaume, alors qu'il restait 30 minutes à jouer et les Australiens n'ont pas su comment gérer cet avantage. C'est vrai qu'ils avaient fait le break un petit peu trop tôt et on a senti une équipe australienne ne plus savoir quoi faire, soit continuer à attendre cette équipe allemande, soit continuer à les presser. Et malheureusement pour eux, je pense qu'ils ont un petit peu trop reculé et l'équipe allemande a été très opportuniste. Christopher Zeller a fait vraiment un festival offensif. Attention, avec ici Michael McCann, un peu la doublure de Jamie Dwyer. Jamie Dwyer, on n'aura donc pas vu sur le terrain dans cette finale. On espérait que Barry Dancer puisse le faire jouer un peu, mais ça n'a pas été le cas. Je pense que s'il n'est pas sur le banc de touche, c'est que ça doit être une grosse blessure. Sinon, Jamie Dwyer aurait été présent sur le terrain. Alors, typiquement, dans ce type de situation, c'est lui qui peut-être parvenu à faire la différence. C'est vrai que c'est un poids supplémentaire au niveau offensif. Attention, cette offensive menée très très rapidement par Björn Emmerling, déjà auteur d'un but dans cette rencontre. Emmerling qui a cherché le petit corner avec un passage en force. Et on a pu voir encore une grande défense espagnole, une grande défense australienne.
match pour les Australiens avec McCann qui avait fait un gros pressing. Bamande, touché par Maurice Furste. Allez, il faut que les Australiens ne laissent aucun répit à cette équipe d'Allemagne. Ils parviennent à la faire craquer. Il leur reste 6 minutes pour tenter de revenir au score et d'amener ce match aux prolongations. L'arbitre va arrêter le temps suite à la pression de l'équipe australienne. Il va demander à son adjoint pour savoir ce qu'il a vu. Il va peut-être revenir sur sa décision et siffler un petit corner pour l'équipe australienne. Voilà, très bien arbitré de la part du duo. Il suffit de voir la réaction et la déception de l'équipe d'Allemagne pour comprendre que c'est donc un petit corner qui vient d'être accordé à l'équipe australienne. On a pu voir au ralenti, on a l'impression que le coup franc était levé et que la balle est arrivée dans le genou du joueur allemand. Donc l'arbitre aurait pu aussi siffler une balle dangereuse et un dégagement pour l'équipe allemande. Bon, il a décidé de siffler le corner pour l'équipe australienne. Et encore une grosse occasion pour revenir au score. Quatrième petit corner de la rencontre pour l'équipe d'Australie qui a marqué deux de ses buts sur cette action de jeu. Et c'est une balle d'égalisation pour l'équipe d'Australie alors qu'il reste moins de 5 minutes à jouer dans cette finale. Oui, oui. Oh, la balle qui a touché le poteau. Les Allemands qui ont eu chaud ici. On a entendu un bruit de ferraille. Un Wubbels qui s'en sort bien. Je pense qu'il était battu sur ce push. Attention, ce n'est peut-être pas fini. Qui a eu à quelques minutes de la fin de la rencontre l'occasion sur petit corner de revenir à égalité, mais malheureusement la balle a touché les poteaux du but d'Ulrich Wubbels. Wubbels qui a eu beaucoup de réussite sur ce coup arrêté puisqu'il était complètement battu.
Christopher Zeller, l'homme du match. Sunborn qui fait un beau travail là sur le côté droit. Et les Allemands avec beaucoup d'expérience gardent la balle du côté droit qui est le côté fort au hockey sur gazon. Allez, un peu plus de deux minutes à jouer. Les Australiens aillent chercher leur dernière ressource pour tenter de revenir au score. Mais les Allemands restent très concentrés. Et ils sont bien décidés à tenir cet avantage jusqu'au bout. Les Australiens qui ressortent pour essayer de contourner cette défense allemande. Oui, c'est bien fait. Avec encore une très bonne défense de Philippe Krohn, qui était bien sorti ses appuis, qui a bien protégé ses pieds. Oui, et qui a empêché Luc Dorner d'avancer vers le but allemand. Plus que 45 secondes à jouer. Et pour l'instant, l'Allemagne tient sa victoire. Et peut-être une des dernières actions, une dernière occasion pour l'Australie qui perd la balle. Les Australiens obtiennent un coup franc. Je pense que tous les joueurs australiens vont se mettre dans la surface et ils vont essayer de trouver une déviation. Les Australiens qui essaient de jouer très très rapidement. Mais c'est fini et c'est gagné pour l'équipe d'Allemagne qui conserve son titre dans cette Coupe du Monde. L'équipe d'Allemagne qui remporte donc sa deuxième Coupe du Monde après celle dans laquelle elle s'était imposée il y a 4 ans à Kuala Lumpur. Et une nouvelle fois l'Allemagne qui bat l'Australie en finale. L'équipe d'Australie qui pourra avoir des regrets. Elle menait 3 buts à 1 au début de deuxième mi-temps. Mais les Allemands sont parvenus à inscrire 4 buts dans cette deuxième période pour mener 4 buts à 3. C'est le score final qui permet donc à l'Allemagne de s'imposer ici à Mönchengladbach. BDO International, partenaire mondial du World Hockey. World Hockey par la Fédération internationale de hockey. Rien ne va plus à Nantes, relégable en championnat les Canaries.